Salut à tous, c'est Sophie Story. Aujourd'hui, je vais te lire et traduire Santa's Underwear en français, les sous-vêtements du Père Noël, par Marty Rogues Fitley. C'était la veille de Noël. Il était temps de se préparer. Le Père Noël cira sa boucle de ceinture et ses meilleures bottes noires. Il mangea un dîner sain pour lui donner un peu d'énergie pour la nuit bien remplie à venir. Et tandis que le Père Noël grignotait son pain de blé complet, des images de sucreries délicieuses dansaient dans sa tête. Ce soir, les enfants laisseront des délicieuses friandises près de l'arbre de Noël, juste pour lui. Il se brossa les dents, puis se lava dans la baignoire. Après avoir séché ses cheveux, le Père Noël brossa sa barbe soyeuse jusqu'à ce qu'elle brille comme la nouvelle neige tombée. Enveloppé dans sa robe de chambre préférée, il regarda dans le miroir comme il avait l'air joyeux. L'heure était venue d'enfiler ses vêtements spéciaux pour la Noël. Père Noël ouvrit le tiroir à sous-vêtements de sa commode. Il fouilla. Où étaient ces longs sous-vêtements en laine rouge? Même s'ils étaient vieux, délavés et flasques, il les portait toujours sous son costume en cette nuit spéciale. Car il le gardait au chaud pendant que son traîneau planait dans le ciel étoilé d'hiver. Père Noël regarda dans le reste des tiroirs. Il vérifia le panier à linge sale et jeta un œil sous le lit. Mais tout ce qu'il trouva fut une chaussette blanche, un jouet de renne en caoutchouc poussiéreux et deux sucres d'orge collants. Mais pas de sous-vêtements rouges. Le Père Noël soupira. Eh bien, je suppose que je vais juste devoir porter autre chose. Il essaya son t-shirt et boxer rose que Madame Noël avait donné à la dernière Saint-Valentin. Trop de cœur et de mignons cupidons, a-t-il dit. Puis, il boutonna son long caleçon vert qu'il portait à chaque Saint-Patrick. Ces trèfles verts ne font pas du tout Noël. Ses slips de Pâques couverts de bonbons d'encens lui ont fait se demander « À quoi je pense ?» La petite culotte blanche et le maillot de corps qu'il avait acheté pour Thanksgiving étaient maintenant un peu trop serrés et inconfortables. « Eh bien, j'ai mangé trop de tarte à la citrouille ce jour-là. » Ses sous-vêtements ennuyés ordinaires n'était tout simplement pas adapté pour ce soir. Wow. Qu'allait-il faire? Ne porter aucun sous-vêtement pour la veille de Noël? Ce qui le ferait certainement frémir et frissonner dans le froid. Brrr. Père Noël leva les bras de désespoir. L'horloge tournait en rond. Les enfants du monde entier attendaient leurs cadeaux. Non, non, il n'y avait pas de temps à perdre. Il devra juste porter ses caleçons longs idiots en forme de trèfle. Au moins, ils étaient verts et chauds. Père Noël soupira en ouvrant son placard pour mettre son costume du Père Noël. Et là, sur un cintre juste en face de lui, étaient accrochés de nouveaux sous-vêtements de Noël. Ils étaient comme ces anciens, mais pas délavés. Leur couleur était presque aussi brillante que le nez de Rodolphe.
Une carte attachée à l'avant disait « Cher Père Noël, utilise ce cadeau en laine ce soir, car à de Noël dernier, nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer que tu avais vraiment besoin de nouveaux sous-vêtements. Nos meilleurs vœux, Rudolf et l'équipage des rennes. » Ho, 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 vêtu d'un beau rouge des fêtes, le Père Noël admira à quel point ses yeux scintillaient de joie dans le miroir. Il finit de s'habiller, mit son bonnet et se précipita vers la porte. Alors que le Père Noël sauta dans son traîneau et s'éleva hors de vue, on pouvait l'entendre s'exclamer « Merci Rudolf, merci Tornade, merci Danseuse, merci Fringant et Furie, Comète, Cupidon et Tonnerre. Et maintenant, faisons le show sur la route. Nous avons un travail à faire. Joyeux Noël à toi !» Cette chouette histoire pour la Noël est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations du livre, regarde dans la barre d'infos. Retrouve-moi aussi sur Sophie Ferry. Je te souhaite un très joyeux Noël en famille. À bientôt pour une prochaine vidéo. Mets un pouce vers le haut et abonne-toi. Merci.